Ça fait un bail que j'ai pas aéré la pièce. Pardon, monsieur Casse-tête. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. L'impro- Mais je te promets, Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque. J'ai peur de manquer de patience. Il y a des élections dans un an. C'est à la fois du sanitaire, mais du sanitaire avec une grosse, grosse arrière-pensée électorale. Il faut que les influenceurs comprennent quand ils font ce type de vidéo. Il ne faut pas qu'ils soient innocents, quoi. Ils aident un candidat à se faire réélire. Après, ils l'assument, ils ne l'assument pas. Mais là, il faut sortir de la naïveté, quoi. C'est mignon, mais on est dans un combat politique. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Quand Macron va chez Carlito et McFly, ça lui donne un label de modernité tout de suite. Donc, c'est pas les jeunes qui votent, c'est les vieux. Mais aux vieux, on dit « je suis moderne et je comprends les jeunes ». Et ça, c'est un facteur pour que les vieux votent pour vous. C'est un peu un cadeau empoisonné. On sent qu'ils ont envie de bien faire, mais qu'ils n'ont pas envie d'être pris pour ce qu'ils sont pas, quoi. Et du coup, ça crée cette espèce de truc un peu bizarre, qui n'est pas efficace d'un point de vue sanitaire, parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Qui prend une distance vis-à-vis de Macron un peu ironique, mais pas non plus complètement. C'est une vidéo un peu ratée quand même, hein. C'est pas leur meilleur en tout cas, voilà. Mais ça manque un peu de cœur et de conviction parce qu'ils sont, à mon avis, plus embêtés qu'autre chose par cette situation. En fait, la vraie solution serait que les politiques apprennent à faire de l'influence digitale tout seul, comme des grands. C'est un peu ce que fait Gabriel Attal. Ça, c'est la meilleure solution. Salut Gabriel. Bonjour Emma. Salut tout le monde. Coucou. Bonsoir. Bonsoir Marine. Ce que fait Gabriel Attal, c'est totalement de la communication électorale. Il est au service de la candidature d'Emmanuel Macron. Il y a zéro doute là-dessus. Mais il le fait de manière intelligente. Quand il aborde les réseaux sociaux, c'est assez horizontal. C'est un peu comme Olivier Véran. C'est un rapport aux gens qui n'est pas méprisant, qui n'est pas bizarre, qui n'est pas au-dessus. Donc c'est plutôt la bonne manière de prendre les choses, et il essaie des choses avec des influenceurs. Bon, ça reste des gens de sa génération, il y a quand même un langage commun. Après, la nouvelle génération de politique, la vraie, ce sera celle qui fera des réseaux sociaux comme elle respire. On n'a pas encore ça en France, mais ça va venir.